Depuis 2020, la région du littoral a connu des avancées significatives sur la promotion de la santé. L'arrivée d'un administrateur chevronné dans cette circonscription qui a réussi à mettre en œuvre des stratégies managériales pour stimuler la prise de conscience des professionnels de la santé ont fait naître une communauté sanitaire dans la dite région. À l'occasion du départ du docteur Albert Mangomaka dans la région de l'Est, les œuvres qui témoignent de sa passion à cette profession ont été présentées. Ce n'était pas tout facile, non seulement le contexte, les exigences épidémiologiques et puis la population qui demandait beaucoup plus en termes d'informations crédibles, mais aussi en termes de prise en charge. Et il a donc fallu que le délégué mette sur pied, que ce soit la régulation médicale, que ce soit à travers les différentes plateformes ou que ce soit le suivi dont nous pouvons dire que nous sommes satisfaits. Nous savons tous la difficulté de la région du littoral. Déjà par sa grandeur, par les complications qui peuvent résulter du fait que nous soyons dans une région cosmopolite, etc. Le délégué a su toujours nous rassembler, il a su toujours nous galvaniser pour arriver à vaincre tous ces périls-là et nous sommes reconnaissants envers notre délégué. Nous avons beaucoup appris. Mise en place d'un système de régulation de santé publique, gestion des régulations médicales avec le 15-10, création d'une plateforme Mamal Pro, création du centre d'infection et de maladies infectieuses de Yassa, le centre médical annexe de Bali, sont entre autres les empreintes dont se réjouit la communauté sanitaire de cette région cosmopolite. Les programmes se sont réunis et on se réjouit aujourd'hui de cette synergie, de cette coordination des programmes ainsi que la coordination des partenaires. Et ça nous a donné l'occasion donc de primer comme ça les meilleurs points focaux surveillance de la région littorale, les meilleurs hôpitaux des districts, les meilleurs hôpitaux dans l'ensemble et ainsi que les meilleurs districts de santé en matière de surveillance épidémiologique et de programme de vaccination. Arrivé pendant la pandémie qui a secoué le monde entier, de nombreuses initiatives pour la promotion de la santé sont visibles. Appelé à prendre fonction dans la région du soleil levant, il a encouragé les personnels impliqués dans la lutte contre les épidémies et pandémies survenues dans la région du littoral.